Dis-moi, ça a été facile pour toi, Emmanuel, de vous lancer dans ce genre d'activité? Facile. Comme il n'y avait rien d'autre à faire, hein. Voilà, c'est pour ça. Ouais, plus de touristes, plus de boulot, donc obligé, ouais, de trouver un moyen. Mais sinon, vous avez déjà eu un capital pour pouvoir vous lancer dans Oui, cette activité. ouais, j'ai eu un peu d'économie, hein. D'accord. Un peu d'économie, à peu près pour investir là-bas, j'ai pu quoi, à peu près 500 000, hein, d'économie pour investir. Déjà dans le, dans la, on appelle ça, la clôture, bétonné, en tôle, grillage, quand même là, j'avais pour 100 000 francs. Après le bâtiment, après les poussins, l'aliment, comme il n'y avait plus de bateau. Donc il fallait que je commande à peu près pour bien tenir une cinquantaine de sacs. Donc là, t'as facile pour 100 000, tu vois. Il faut avoir un petit capital, c'est déjà ça. Hein? Mais sinon, tu as pu bénéficier aussi de l'aide de différents organismes du pays, de l'État. De l'aide? Non, non, je n'ai pas eu d'aide. Hein? Tu n'as pas demandé d'aide. Non, je n'ai pas demandé trop tard avec la crise, comment dire, avec le Covid, tout était au ralenti. Donc il fallait au fond propre, on va dire. Que du Ouais, fonds propres alors. voilà. Là, j'attends pour rembourser et puis après. Qu'est-ce que tu veux dire par rembourser du moment c'est du fonds propres? Voilà, c'est rembourser tout ce que j'ai investi. D'accord. Voilà, pour que ça revienne, quoi. Au niveau de la dîme, on n'a jamais pu bénéficier de l'aide de la J'ai dîme. pas eu le temps. D'accord. Voilà, comme il fallait vite vite rebondir, il fallait vite faire, donc Et là, j'étais vous pas envisagez prêt. de faire une demande d'aide, soit à la dîme, soit. Donc là j'envisage d'acheter un broyeur, un petit broyeur et une bétonnière de sac pour voilà, pour le compost. Et là je vais faire un petit tour à la digue voilà, pour m'aider s'ils peuvent, hein.